Ah, on a du courrier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, un peu de courrier. Alors, on se retrouve sur Animal Crossing sur Nintendo GameCube. Donc là, on est sur émulateur, bien sûr, avec le pack de textures qui va bien. Donc, j'ai joué un peu tout à l'heure. Alors, vous allez voir, il y a des choses qui sont pas pareilles. Pour ceux qui connaissent pas la genèse d'Animal Crossing, bien que ce soit pas le premier, on est bien d'accord. Mais quand même, on a reçu un courrier de qui ? AJD. Ah ! Merci d'avoir rejoint l'Académie des jeux et décorateurs. Nous vérifions ton progrès au fur et à mesure. Ah bah en même temps, là, niveau décoration, c'est pas trop ça. Donc, ce qu'on va faire là, on va envoyer, en fait, il y a une porte qui s'est ouverte, non ? Non. On va aller envoyer les fossiles pour analyse. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la genèse donc, du jeu, à la base, Thibaut ne sait pas analyser les fossiles. Donc il nous explique clairement qu'il a pas les compétences. Donc ce qu'on doit faire, c'est prendre un courrier, donc un papier à lettres. Donc il y a plusieurs formes. Là j'ai acheté les pastèques, mais les villageois, enfin les animaux, comme on dit dans le jeu, m'ont offert ces papiers-là. Bon, bah, écoute, j'aurais pas dû acheter, mais c'est pas grave. On va écrire une lettre. Donc là, je peux écrire au musée. Ou aux villageois. Donc ils sont combien ? Ils sont 2, 4, ils sont 6. Je sais pas s'il y en a plus. Je sais plus s'il y en a plus. Bon, bref. On va écrire au musée. Tac. Donc pas besoin de mettre de message. Hein. On valide. Ok. Oui. Et là, on prend le fossile. Tac. On le prend. Et on le met dans le courrier du musée. Voilà. Lettre de moi pour le musée. Tac. Et maintenant, il faut l'envoyer. Je crois que c'est là. Je suis pas sûr. Mais on va voir. Poste tes lettres. Bah oui, c'est là, je pense. Tac. Envoyé. On peut les faire un par un, donc c'est un petit peu long. Hein. Je vois. Tu m'as envoyé d'autres lettres ? Oui. Voilà, c'est comme ça. En fait, on envoie la lettre au musée, le musée analyse, ensuite le musée nous renvoie le fossile. Donc le lendemain, on reçoit les fossiles. Les fossiles analysés, bien sûr, avec ce que c'est et tout. Et ensuite, on pourra les donner à Thibaut qui pourra les exposer. Donc là, ouais, nos courriers se mettent derrière. C'est pas mal ça. Regardez, ils sont derrière. Les trois, on ne les voit plus là. Dommage. Quand on lui parlait, on les voyait bien. Et là, je crois que c'est pour rembourser mon crédit. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai que 2000 clochettes et je crois qu'il nous en reste au moins 15-16 000. Donc on va attendre un peu. On va aller faire un petit tour du village, même si j'ai un peu parlé à quelques animaux. Oh, le train! Ça, c'était mon arbre à clochettes. Bon, je l'ai planté, j'ai pas fait l'erreur que j'ai faite dans l'épisode précédent, donc hier. Donc je l'ai pas replanté. Oh mon pote, Teddy. Ici il y a du soleil, la vie est belle. Comment puis-je t'être utile? Je peux t'aider? Ah mais ouais. Ouais. J'ai pas de canne à pêche. Je peux pas pêcher. J'aimerais bien pêcher, mais je ne peux pas pour l'instant. C'est bizarre qu'il me demande de pêcher alors que logiquement il sait que je peux pas, mais bon, c'est pas grave. On va aller faire un petit tour là. On va aller voir chez Nuki. Avant d'aller chez Nuki, on va aller voir lui. Est-ce que je peux... Ah, pardon, j'ai failli lui mettre un coup de pelle. Tabarnak ! On peut essayer les insectes. Ah, mais j'ai pas... Je peux pas, j'ai pas de filet mon pote. Tiens, Bernac, j'ai pas de filet, j'ai pas de canne à pêche, Bernac. Ah, j'ai rien, moi j'ai pas de filet, j'ai pas de canne à pêche, les gars. Ah, il me demande des choses que je peux pas faire. Donc on va aller voir s'il a pas... Ouais, ok, t'inquiète. T'as pas un filet ou une canne à pêche? Non, il a pas. Hein. Il a juste une pelle que j'ai déjà. Parapluie, machin, truc, ok. Alors, que peux-je faire pour toi? Autre chose. Ah, prix des navets. 61. Le prix des navets. Oui, parce que le marché aux navets existait déjà. Hein. Ça a toujours existé. En fait, c'est ça qui est... En regardant ces vidéos, vous rendrez assez vite compte que... Nintendo ne se casse pas trop la tête avec Animal Crossing. C'est tout le temps la même chose en fait. À chaque épisode, c'est la même chose. Ah, un fossile, super. Cette musique insupportable.
Ce petit son, il est insupportable. Il y a quelques pêches. Je pourrais vendre des pêches. Je pourrais, mais je vais pas. Non, je vais pas les vendre. Ah, et le petit tigrou là. Tigri, pardon. Oh. Ah, le moustique. Ah, il m'a piqué. Ah. Oh. Incroyable, je me suis fait attaquer par un moustique. Mais c'est fou ça. Le moustique m'a piqué. Je crois qu'on peut pas. On peut pas. Non, on peut rien faire sur les cailloux. Ah, le bruit de l'eau. Waouh. Ah, je pourrais ramasser du coquillage et le revendre. Oh, on va faire ça, on va ramasser un peu de coquillage. Un peu de corail, ça c'est quoi? Saint-Jacques. Des Saint-Jacques! Des grosses Saint-Jacques. De la grosse Saint-Jacques. Je fais le tour, je regarde un peu ce qu'il y a. Ah oui, ici j'avais dit que ce serait un bon petit coin de pêche. Bon, malheureusement, il n'y a pas de poisson, mais... Je sais pas c'est quand que j'aurai droit à ma... Oula. Je sais pas c'est quand que j'aurai droit à une canne à pêche, au filet, à tout le matos, quoi, pour avancer un peu. Alors, on peut rien faire avec ça, ok. Ah, c'est quoi, ça? Ah, il y a un fossile, là. Enfin, il y a un trou, en tout cas. Ah, il y a du fossile, c'est pas mal, ça. Il y a un phare. On n'avait pas vu le phare hier. Magnifique. Magnifique le phare. Saint-Jacques. C'est l'île des Saint-Jacques, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais là, ma petite souris? T'as besoin de quelque chose? Je vais t'aider. Ah là là, je m'y prends trop tard! En même temps, ouais, j'ai pas le temps, mais en même temps, je peux pas m'y prendre plus tôt. Ah, une conche, scalaire, conche, scalaire. Ah, il y a du moustique. Il y a un moustique sauvage là qui me court après. Là, les sœurs, je suis allé les voir. C'est un... Même dans tous les Animal Crossing, tout ce qui est vêtements et tout, ça m'intéresse pas. Ok, donc les gros trucs d'herbe, en fait, on peut pas les enlever. Si bon, si bon. Tout le temps un ballon. C'est marrant, ça. Cette idée d'avoir mis des ballons différents. C'est marrant. C'est un concept. On va aller envoyer les deux fossiles pour l'expertise. Regarde-moi ça, c'est les mêmes bestioles en fait. Ils ont pas changé. Ils ont juste mis des textures un peu plus haut de gamme sur Switch, mais c'est tout. C'est la même chose. Bon, bureau de poste. Ok, faut que j'écrive les courriers. Non. Écrire une lettre. Musée. Hop, écrire une lettre. Ah! Waouh! D'accord. Magnifique le petit panda. Prendre, on met dans le musée. Tac. Le reste, je vais vendre tous les coquillages. Hein. Allez! Je peux pas en déposer plusieurs? Non, on peut pas en déposer plusieurs. C'est dommage. Et la dernière du jour, c'est parti. Ça va remplir tout son guichet derrière elle. Et voilà. Waouh! Bon, bah c'est quoi ça? Ah, c'est le facteur! Waouh! Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce facteur! Magnifique! Ah, c'est le facteur! Aïe, 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 c'est magnifique.
Ah, ça, c'est pas ça dans les nouveaux Animal Crossing, hein. Ils n'ont pas mis le facteur. C'est pas très gentil, ça, Nintendo. C'est pas très, très gentil d'avoir zappé le facteur. Oui, il y a le train. En fait, c'est quoi ça ? Ah, c'est... Okay. Le train permet de visiter d'autres villages. Pour visiter d'autres villages, on est sur GameCube, donc il n'y a pas... Par contre, il me spam à chaque fois. Ça, c'est un peu lourd, ça. Il n'y a pas de système, il n'y a pas d'online. Quoi qu'il y avait du online sur la GameCube, mais bon, c'était compliqué. C'était compliqué et personne, je pense, jouait en ligne. Et en fait, il faut mettre une sauvegarde de jeu dans le slot B, de carte mémoire B, donc dans le deuxième slot mémoire. Et là, on peut aller sur une autre île. C'est du multi-local. Oui, tout, vas-y. 700 conchettes, 350 à conche. Oh, ça va, on fait de l'oseille un peu. Donc voilà, c'est du multi un peu spécial. Allez, ça c'est chance, j'en ai beaucoup des Saint-Jacques, mon pote. Ah, 1350 divisé par 3. Ça fait combien ça? Ça fait 4. Ça fait un peu plus de 400. Ça fait un peu plus de 400, c'est ça? Un peu plus de 400. C'est pas mal. 20 clochettes. Waouh. Ok, j'ai pas vu ce que c'était. Comme ça, j'en prends plus jamais. Bon, faut que je fasse le tour des villageois, voir des animaux. Voir en plus s'ils ont des trucs à me proposer. S'ils ont à me proposer, ben... J'essaierai de me connecter plus tôt et d'enregistrer plus tôt. En fait, je me suis connecté plus tôt, mais je pouvais pas enregistrer. J'avais clairement pas le temps. J'ai joué 5-10 minutes, pas plus. La map, il y en a à gauche, là, les deux loustiques à gauche. Toi, je t'ai vu. Toi, je t'ai pas vu, je crois. Hey, coucou, moi. Quoi de neuf, moi? Tu veux du taf? Je ne peux pas refuser. Ah! Encore l'organiseur? Je l'ai fait tout à l'heure, en plus. J'ai fait une quête tout à l'heure, c'était l'organiseur. J'y vais, mon copain, j'y vais. Je prends ton organiseur, allez. Carmen, c'est la souris qui est là, ok. Carmen, faut rendre des affaires quand on te les prête. C'est pas là. Attends. Non, c'est juste là, normalement. Ah, c'est juste là, Carmen. Pour rendre organiseur. T'inquiète, ma petite souris. Allez, mon miaouse. L'organiseur, voilà. Ah non, mais ils me donnent tous du papier à lettres, j'en ai marre de... Ah, ils m'ont saoulé, ils me donnent tous du papier à... Oh, le moustique, là. Ils me donnent tous du papier à lettres. Je sais pas ce qu'ils ont à me donner, ça. Quoique, non, il y en a un tout à l'heure, il m'a donné un truc de déco, mais c'était un peu pourri. Je vais voir si je peux ranger ça chez moi. Est-ce qu'on a un espace de stockage? Je sais même pas. Il m'a donné ça. Ça, c'est le maire qui m'a donné ça, je crois. Ça, je sais plus. Ce truc-là, je sais même pas ce que c'est. On m'a donné ça. Voilà. Est-ce que je peux stocker ça? Ah, on n'a pas d'espace de stockage chez soi. C'est bizarre, ça. Poser. Bon. On va poser comme ça. J'ai pas besoin d'avoir tout ça, en fait. Je vais pas les revendre parce que je devrais. Si je les vends maintenant, je vais devoir les racheter, en fait. Donc. Ça serait du temps perdu. De clochettes perdues, plutôt. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de villageois, en fait. Tigri, je l'ai vu. Carmen, j'ai vu. Les deux fous, là, je les ai vus. Teddy, je l'ai vu. J'ai vu tout le monde. On va tourner un peu. On va aller au poste de police. J'y suis allé ce matin quand j'ai joué un peu. Poste de police était vide. Pas d'objet. Bon. On va aller voir si on trouve quelque chose. Je vais enlever ma pelle. C'est vrai que ça, c'était un petit peu
petit peu mal foutu, ça, le fait de... Il y a un peu trop de menus. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de chargement, ça, c'est vraiment cool. Et c'est même très cool qu'il n'y ait pas de temps de chargement. Mais il y a beaucoup trop de temps de menu. Aucun objet. Ok, t'as pas trouvé ce que j'ai perdu ? C'est dommage. J'ai perdu tellement de choses. Ah, c'est qui est recherché, là ? Voilà, c'est Lulu qui est recherché en ce moment. On va aller voir notre comment il s'appelle déjà ? Tortimer ? Ah, que je... Tu m'expliques ? Ceci est la fontaine au souhait de notre village là-bas. C'est ici que l'on vient se tenir au courant de ce qui se passe au village. Quand tout va bien, nombre de voyageurs viennent visiter là-bas. Mais la fontaine regorge de bientôt de sagesse. Si on te confie une commission, et que pour une raison quelconque tu ne peux pas accomplir ta mission, tu peux venir ici pour t'en excuser. Ah, ok. Tu sais quoi, je leur demande pas de les aider. Parce que si c'est pour avoir encore du papier à lettres, ça a 2 minutes, mais bon, voilà quoi. Ah, Mousticus. Hello, en fait, il n'y a pas de mairie. Attends, il n'y a pas de mairie en fait dans le jeu. Peut-être que la mairie viendra après ici. Je sais pas. Là, franchement, là, je me rappelle plus. Ah, on le voit le Mousticus en fait. Ah, faut vraiment infiler quoi. Ah, faut infiler. Ok. Ok, ok. Il n'y a pas de bouteille à la mer, hein, je crois pas. Mais non. Vu qu'il n'y a pas de craft. Il y a peut-être un objet qui est lâché comme ça, je sais pas. Bon, après, il y a la décharge. L'objet est lâché dans la décharge là. La décharge est au poste de police aussi. On a des objets de temps en temps. Donc il n'y a pas de raison qu'il les ait lâchés comme ça au bord de l'eau. Vu qu'on a de quoi récupérer quelques objets. Saint-Jacques. Et le ponton. Pour m'appeler, connecte ta Game Boy Advance. L'amiral. Waouh, la Game Boy Advance. Faut que je vois si c'est pas possible de le faire ça sur l'émulateur. J'ai peur de secouer et de me faire poursuivre là. S'il y a des guêpes. Je sais pas ce qu'il y a dans les arbres. Est-ce qu'il y a des objets dans les arbres? Oh! Sans clochette. Incroyable. Je sais qu'il y a des guêpes. Il y a des guêpes et si je prends une guêpe, faut que je déguerpisse. Oh! Ah, c'était un fruitier, j'ai même pas vu. Oh, je me suis dit, c'est quoi qui tombe là? C'est juste des pêches. T'inquiète. C'est 300 clochettes quand même. Non. Non, non. C'est 100 ou 50, je sais plus. Ok. Bon, dès que j'ai une hache, faut que je retaille un peu. Faut que je redéploie tout ça parce que là, ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va là au niveau de... Ah, c'est chiant, quoi, ok. Tous les menus sont chiants, en fait. D'accord. J'ai passé tellement d'heures dessus que je me rappelais pas que c'était aussi... ça me donne pas envie, quoi. En fait, ça ralentit trop le rythme. Mais bon, ça va, vu qu'il n'y a pas de chargement. Franchement, le fait qu'il n'y ait pas de chargement, moi, je lui excuse tout à ce jeu. Tac. Ouais, c'est un petit peu longué, mais bon, c'est pas grave. On a connu pire. Eh, il y a plein d'argent, là. Waouh. La richesse. Secoue les arbres, tu deviendras riche. Secoue les arbres, mon ami, tu deviendras riche. Ok, à plus. Allez, poursuivre. Ah, ah, je ne peux pas leur fuir. On peut pas fuir. Aïe, aïe, aïe.
Arrête de me faire peur comme ça, mettre un masque, tout ça pour offrir une jolie fille comme moi. Eh ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. On essaie de faire de l'argent, nous. Tac. Ça, est-ce que je peux les archiver? Ah oui, j'avais reçu ça comme courrier. Alors, le musée. Le musée Pétaouche t'invite cordialement à prendre part au programme d'identification des fossiles. Envoie-nous tes fossiles pour identification. Merci de ton soutien. Jeter. Ouais, on jette. Rounard, Rounard le roublard, déboule avec ses affaires en or à 18h le 14 juin. Ce renard-là, il est terrible pour le plaisir des yeux. Ça, je vais garder. Et ça, c'est AJD. Merci d'avoir rejoint l'Académie des jeux décorateurs. Nous vérifierons. Ok, super. Ça, on jette. Allez, ça dégage. Après, on a tout le bestiaire hein, qui est présent. Et forcément, là, mon bestiaire, moi, est plutôt vide. Hein, normal. Que se passe-t-il? C'est quoi cette tête boursouflée? Arrête de pleurnicher, tu peux pas te promener avec cette tête. Allez, reprends-toi, voyons. C'est pas grave que tu te sois fait piquer, ça arrive. Il faut être fier de ses cicatrices, tabarnak. Ah, il est tellement nerveux, lui. Bon, je continue à secouer, tant pis. En fait, on peut pas fuir les abeilles. Les guêpes vont trop vite. Ah, jette-moi. Saint-Jacques. Ça me va, 450, c'est pas mal. Allez, ça, les pêches. Mais bien sûr. Allez, c'est bon, on va garder un peu d'argent pour la suite. Je vais rien acheter. Bon, moi, je vais attendre d'avoir des outils. Vraiment des trucs de déco exceptionnels, quoi. Là, pour l'instant, j'ai ni l'un ni l'autre. Oh, le poisson, il a apparu d'un coup. Il a disparu d'un coup. Pas mal. Bon, ben, c'est une petite courte vidéo, histoire de revoir un peu. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit ici, mais ça va. J'ai enfoui un piège dans le lopin F3. Je suis vraiment trop sympa. Allez, hop, plus vite que ça. Donc, je suis allé au lopin. J'essaie de creuser, mais malheureusement, je suis tombé dans le piège. Voilà. Bon, mais sur ce, on va s'arrêter là. Voilà, dites-moi si ça vous fait plaisir, ce genre de petite vidéo. Un petit retour en arrière, 20 ans en arrière, c'est toujours pas mal. Je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien. Bye bye.